Et coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors là nous sommes à 2 heures de notre départ en vacances. On se fait un petit séjour en France cette année. Bon, peut-être que vous le savez si vous nous suivez, mais au mois d'avril on a fait un superbe voyage. Donc là pour cet été le budget est un petit peu restreint. Alors on est en plein préparatif. Bon, la valise est pratiquement prête. On a notre petit Yuji qui fait sa sieste, notre petite Mounette qui n'est pas loin et notre petite Maëlia qui patiente avant le départ. Ouais. Ça va? Ouais. Tu es contente de partir? Oui. Oui, on espère qu'on va s'éclater. Bon, il n'y a pas de raison. Bah oui. Normalement. Avant de finaliser donc la valise et de partir pour ce petit séjour, on est passé il y a quelques jours à Auchan. Et je voulais vous montrer ce qu'on a trouvé. C'est super sympa pour l'été. Tout à fait dans le thème. Donc moi j'ai craqué sur ces deux petits verres là. Marseille, City Beach. Bon ah non ça c'est pas... Ah oui, d'un côté il y a Marseille et de l'autre côté il y a Aix-en-Provence. Je croyais que c'était uniquement Marseille mais non. Alors on a marqué de ce côté Aix-en-Provence. Et de l'autre côté Marseille, City Beach. Voilà, avec le motif tropical, totalement dans le thème de l'été, pour nous rappeler un petit peu la Martinique, voilà, les tropiques, les îles. On n'a pas pu s'y rendre cette année, mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois. Et donc, ben, j'ai craqué aussi pour ce modèle-là, le modèle rose et jaune, c'est mon préféré d'ailleurs. Donc Marseille City Beach et de l'autre côté, Aix-en-Provence. City Beach. Ça pour prendre un bon verre de grenadine, n'est-ce pas Maëlia? Oui. Un bon verre de grenadine ou un bon verre de coca, ça nous met dans l'ambiance de l'été. Et pour finir, j'ai pas pris grand chose comme accessoire. On avait surtout fait des courses alimentaires. Des petits moules à glaçons, voilà, en forme d'ananas. Voilà, parfait aussi. Et j'en ai acheté un aussi en forme d'Hello Kitty. Pour faire, à la base c'était pour faire des chocolats, mais moi je m'en sers pour faire les glaçons. Et c'est trop mignon. Ça, tu mets ça dans le verre, c'est trop beau. Donc voilà, c'est tout pour les petits achats chez Auchan. Achats, on va dire accessoires. Et vraiment vite fait, je vais découvrir avant de partir ce qu'il y a dans ce colis. Je l'ai reçu ce matin. Et si c'est bien ce à quoi je pense, il faut l'ouvrir avant de partir parce que je pense qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de ce qu'il y a à l'intérieur pour notre petit séjour. Parce que là où nous partons, on risque d'être un petit peu embêté. Ouais, c'est ça. On risque d'être un petit peu embêté par des moustiques. Voilà, c'est une région où il y a pas mal de moustiques et c'est carrément ça. Donc j'ai reçu un petit portage Parakito, donc c'est une marque qui fait les répulsifs pour moustiques. Donc là on a des bracelets. Ça c'est quoi? Ah, c'est un baume. Roll-on protection moustique éthique, d'accord. Bon ben c'est super, on va tout emporter je pense parce qu'on en aura besoin. Donc le bracelet à mettre. Ah, c'est joli, on a différents motifs là. Et c'était celui-là. On a aussi celui-là. Ah ouais, les motifs d'été là. Bien. Ah ouais, avec le petit panda. Alors ça, ça rappelle un petit peu un motif japonais là. Avec le petit panda comme ça, non? Un panda, c'est un koala. Ah non, c'est un koala, pardon. Alors on reste dans la savane. Dans la jungle, donc le petit koala, pardon. Moi je vois des pandas partout. Ça, c'est qui? Et ça c'est le petit ourson polaire. Alors oui, en effet on a deux plaquettes de 15 jours chacune. Et ils sont aussi résistants à l'eau. Mais bon, je pense pas qu'on va les mettre pour l'eau. On les mettra juste pour dormir. Pour la journée on mettra les sprays comme ceci. Ce sera parfait. Alors on a le spray protection résistant à l'eau et à la transpiration. Bon ben parfait. On a trois. Le spray protection, donc cette fois-ci 6 heures. C'est une huile sèche hydratante parfum naturel Monoï. Et celui-là, il dure 7 heures. Donc, il est pour peau sensible, texture lactée. Roll-on protection, donc on peut emporter, c'est super. Mm. On peut l'emporter, le glisser dans le sac.
Roll-on protection moustique et tique, résistant à l'eau, pareil, 8 heures. Et voilà, mon dieu, quelle chaleur. J'ai chaud. Pourtant, il y a la clim. Hein. Et il y a la clim, c'est pour vous dire. Je vais glisser tout ça. Non, on va les déballer, ça prendra moins de place. Dans la valise et on se retrouve un petit peu plus tard. Gros gros bisous. Et ça y est, on va embarquer dans le train. Donc là c'est placement libre. Allez, on choisit celui-là, cette entrée. Oui. Il y a l'air d'avoir pas beaucoup de monde là. Oh. Mais c'est spacieux en plus, ouais. Il y a l'endroit pour mettre les bagages ou pas là? Ici? Allez, super, on monte là. TER Zou à destination Narbonne. Il desservira de Vitrolles Aéroport Marseille-Provence, Miramas, Saint-Martin-de-Crau, Arles, Tarascon, Nippon-Duga, Baillargues, Montpellier, Villeneuve, Maguelone, Bric-Mirval. Head underwater. Falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you'd fall with me. No matter how far it goes. Down deep and under. On vient d'arriver à la résidence. Et donc là on est à la recherche de notre petit studio. Bon, on l'a trouvé, il est pas très loin. On a la piscine juste derrière là. Je sais pas si vous la verrez. Mais bon, de toute façon, on va y retourner après. Là, on va se faire un petit pont. Voilà. Petit. On est vraiment dans la nature, là. Ouais. Trop bien. Quand on était bientôt arrivé à Arles, elle a dit maman, s'il y a un feu, il faudrait pas qu'il y ait un feu, ouais. Parce que là, on est dans la vraie. Il y a vraie, beaucoup de verdure. Dans la nature, ouais. Alors, je crois que c'est là-bas. Allez, on continue. Ben là, Maëlie, elle va être bien parce qu'il y a beaucoup de verdure. Si elle se fait des petites copines ou des petits copains, elle va être trop bien. C'est là ? Oh, regardez comme c'est beau. Ça te rappelle Glendale ? Non, on dirait plus qu'on est au Mexique ou un truc comme ça. On est en rez-de-chaussée, 14-22. ...14-15 en face. Et on est là. Trop bien. Ah bon, il y a des petites bébêtes, oui, sur la porte. Ok. Non, pas sur la porte, pas totalement. Non, mais c'est ma phobie, les araignées, moi. Mais elles sont pas dedans. Si on est dedans, moi je cours. Elles sont sur la porte et sur le mur. On est en pleine nature, Maëlia. Allez, courage! En plus, on a pris des bombes insecticides. Parce qu'on était au courant qu'il y allait avoir peut-être des petits insectes. Ah oui, c'est la nature, regardez. Allez, on va rentrer. On est rentré. Bon, on va faire partir les araignées, qu'elles rentrent pas. Oh, c'est pas mal. Bon, c'est petit, c'est un studio. C'est petit même. Mais pour nous deux, on va être bien. Un flamant rose au mur. Les clés sont là, très bien. La télé est là. On a tout ce qu'il faut. Petite cuisine, frigo. Ça se voit que ça a été utilisé. Mini lave-vaisselle. Yeah. Trop bien. Ah, mon bon. Ah. Petit placard. Et je crois qu'on va pouvoir sortir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, bon, allez, je vais récupérer la valise. Et donc là, on a la petite. Salle de bain. Bon, on va être super bien là. C'est immense. Ouais, enfin immense. J'irai pas jusque là. Il y a des écrans. On a déjà un ami moustique là-bas que je vois. Ouais, mais oh ici. My gosh. Ouais, il y a des moustiques. C'est comme chez nous. Chez nous, on a que des moucherons. Il y a beaucoup de moucherons chez nous, ouais, c'est vrai. Surtout dans la salle de bain. La couette. Non, non, mais on va pas mettre la couette. Par contre, il fait 40 degrés, Maëlia. Je dois partir avec elle. Voilà. Elle est folle, cette petite. Et donc, si on veut, donc le matin, on a possibilité, ou quand on veut, de prendre notre petit repas dehors, avec dehors, voilà. Une belle araignée énorme.
Bon, ça donne sur, sur l'extérieur, hein. C'est pas une terrasse privée, mais... C'est la nature. Voilà. Ah oui, c'est la nature. On va être bien. Bon, on est un petit peu deg là. On s'apprêtait à mettre nos provisions dans le frigo. Et on s'aperçoit qu'il y a une espèce de bête morte. On dirait une sauterelle ou un cafard. Sur la paroi. Alors, cafard, je sais pas parce qu'elle est claire quand même. Oui, elle est très claire. Donc, là, je viens d'appeler la réception. Ça a fait bon. Ça a quitté, ça a coupé. Ça commence bien, les bébêtes, là. Oh. Je vais devoir l'enlever moi-même. Non, mais j'ai pas envie. Non. Ouais, mais le truc, c'est que on est venu avec une petite glacière. Et il va falloir mettre les ingrédients au frais assez rapidement quand même. Et ce qu'on voit, c'est comme bon. Et pourquoi dans le frigo? Je vous montre ça. It's please, qu'est-ce que c'est ça? Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? Focus. Vas-y, mets un peu. C'est même plus focusé. Et le zombie, pardon. What is this? Bon, ben voilà. Hello guys. Dès que tu as ouvert, elle a fait hello guys. Welcome back to my channel, to frigo. C'est une cafard ça? Non, ça ne peut pas être une cafard. Bon, elle paraît un peu plus foncée à la caméra, mais elle est vraiment claire. Très mauvaise nouvelle, maman n'arrive pas à faire enlever la bête. Elle est congelée. Vous imaginez ça? Congelée. Donc, elle essaye avec un bout de papier. Et là, elle n'a rien enlevé, il y a même du papier qui est resté collé à côté d'elle. Non mais... C'est quoi ce truc là? Bon ben là on retourne à l'accueil pour qu'on nous enlève cette bête dans le frigo. J'ai essayé de l'enlever avec un sopalin mais c'est devenu givré et la bête elle reste accrochée en fait. C'est une galère. Ah d'accord, ok. Bon, Maïa vous l'a déjà dit. Donc let's go. Ça commence bien dis donc. Ouais c'est bien. Mais en tout cas voilà, mis à part ce petit contretemps là, on va être super bien dans cet environnement. Et là il y a la réunion d'information au niveau de la piscine. Par contre je crois que la piscine elle ferme à 19h. On n'aura même pas le temps de se baigner aujourd'hui. De toute façon on a d'autres temps hein. Oui on ira demain ça c'est sûr mais bon. A few moments later. Et pour revenir avec l'histoire de la bête dans le frigo, donc ça a été résolu, ils sont venus nous l'enlever. Et le monsieur, il a décollé avec... Une cuillère. Une cuillère. Ben... Il a remis où la cuillère? Il ne l'a pas remise à nous au moins? Non, je ne sais pas. Il est reparti avec? Je pense. Ouais. Berk, berk, berk. Alors, on fait un petit tour, on passe devant la superbe piscine. Bon, là, vous ne la verrez pas parce qu'on n'est pas rentré dedans. Mais voilà comment... Elle se présente, elle est très très belle. Et j'espère que demain on va bien pouvoir en profiter. En tout cas, le coin est très joli avec les petits parasols là en bambou. Paille. En paille, exactement. Les petits parasols en paille. Ça se voit que c'est un bambou. Ouais, c'est pas un bambou. Bambou, on a vraiment hâte. Allez, on profite, on fait un petit tour. Yes. On dirait qu'on est vraiment dans la campagne là. Ça fait une mais c'est très marre. Sympa. On peut faire du skate. Ah, il y a un endroit pour faire du skate, faire ouais. Du skate. Oui, il est sympa cet arbre. Oui. Oh, mais t'as pas de skate, toi, par contre. Hein. T'as vu toutes les marques que j'ai fait? Je suis épuisée, toi, non. Bon, il manque plus que le skate, hein, du coup. Ouais. Alors en continuant, on s'est un petit peu éloigné de la résidence, on tombe sur les terrains de basket cette fois-ci. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Moi c'est mon rêve de pour faire les, du basket. Pour les sportifs. Ah oui, on peut jouer au basket et au foot. Bah oui. Et à la cage pour les buts là. Oui. On a les chevaux. Ils sont beaux. Hein. Ouais, je crois que c'est électrique. Je suis pas sûre mais... On va pas toucher en tout cas. En tout cas, le paysage est sec. Hein. On sent qu'il y a de la sécheresse. Allez, on s'est retrouvés donc pas très loin de notre résidence. Donc là, on est dans une deuxième résidence. Regardez la piscine aussi, elle est magnifique. Et là, il y a des restaurants. Donc c'est là qu'on y trouve les restos. Donc on va peut-être se faire un petit resto ce soir.
On a enfin trouvé le club enfant. Ouh, il y a plein de moustiques un peu. Oui, ça, il y a plein de moustiques. Et recoucou. Donc on se retrouve, nous sommes donc de retour. Finalement le restaurant, il était fermé, donc ça ferme à 21h. Enfin, ils ne prennent plus personne à partir de 21h, donc trop tard. Donc là on est rentré au studio, on va se faire à manger et on va se faire aussi une petite soirée télé tranquille. Il y a presque hein? plus de batterie. Presque plus de batterie, donc on vous laisse et on vous retrouvera pour la journée de demain. Yes. De gros bisous. Gros bisous.